Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un PC gamer. Carte mère, elle est déjà démontée, j'ai avancé le travail. Problème de ce PC. Ordinateur ne s'allume pas. Test sans batterie. Non, OK. Test Alim. Non, OK. Alim, OK. Peut-être court-circuit sur carte mère. C'est votre appareil d'ailleurs. Alors, ce qui a été fait sur ce PC, dalle LCD changée sous garantie. Donc voilà pour les informations que j'ai. Voilà, console activée pour le pour que vous puissiez voir la consommation. Donc je le branche. On a 40, 41. Et on se met à 0. Hop, ça fait que ça. 41, 42. C'est stabilisé, 41. Un poil élevé, mais sur cette version de carte mère, on n'est pas encore trop mauvais. Alors, le diagnostic, il a été vite fait. J'ai été voir le PCH directement. Et vous allez voir que ça n'a pas été long à trouver le problème. Microscope. Et voilà le problème. Le PCH, il a complètement éclaté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ou quelle surtension qu'il a pris? Ça, je ne sais pas. Mais là, il est éclaté en 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Alors là, on ne peut pas dire plus éclaté que ça. Plus éclaté que ça, c'est un trou. Voilà. Donc là, il est complètement éclaté. A priori, je dis bien a priori, continuité. C'est normal, c'est la masse. Voilà. En court-circuit. Celui-là, il est en court-circuit. Bon, ce qu'on va faire. On va tenter, j'en ai un de PCH. On va tenter de le remplacer.
et voir ce que ça donne. Parce que là, dans un premier temps, comme de la manière qu'il est éclaté, on peut rien contrôler au multimètre, valeur, résistance, tout ce que vous voulez. On peut rien contrôler avec un PCH complètement éclaté comme ça. Et ça donnera des valeurs, des fausses valeurs, quel que soit l'endroit. Donc, il faut le retirer, prendre certaines valeurs, à la limite, avant de le remettre, et voir ce que ça donne. Donc, on essaye. De toute façon, j'avais prévenu le client, hein. On peut essayer de le remplacer, mais bon, allez. J'ai dit au client que j'allais enlever le PCH et essayer de le remplacer. Donc, je vais l'enlever. Regarder les valeurs dans un premier temps et on le remplacera. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, on a enlevé le PCH, on va faire le nettoyage dans un premier temps et on verra ensuite pour les mesures. C'est parti. Bon voilà, on a enlevé le PCH éclaté, on a préparé la surface. Maintenant, passons aux valeurs. Est-ce que le 1,50 1,050. Sonne pas. Notre 3 volts 3. Voilà. Nos 3 volts 3. J'ai rien.
rien du tout. Je suis un peu étonné quand même. Hein. Un peu étonné. Elle est pas bonne, ma masse ou quoi là? Ouais, j'ai un problème là. Changer de masse. Voilà, je préfère. Donc je reprends. Ouais. Voilà, je préfère. Mauvais plan de masse. Bon, 187. 189. Plutôt équilibré. C'est bien. C'est plutôt bien. Forcément, au niveau de l'EFI, c'est pas une surprise, vu que ça va directement au PCH. Il n'y a plus de court-circuit, à part la patre 4, qui est au GND normalement. Précisément. Voilà. GND. On sait. 89. Très bien. Donc j'ai pas de court-circuit sur le travolt 3 S5 ni sur le 5 volts. Normal. Normal. De 49. 250, 250, 17, 52, 5, 46, 46, 46, 50. Et là, on est sur la VRAM. Là, on doit être sur le 1 volt 2. DDR4. J'enlève la barrette. Voilà. En 41, je remets la barrette. Ça sonne, c'est normal. Bon. Donc on va mettre notre nouveau PCH. Qui est posé là.
Bon, je ressoude le PCH et on voit ça juste après. Si on a de la chance ou pas. Bon, voilà, notre PCH a été remplacé. Nouveau PCH remis en place à la station BGA. Maintenant, on va prendre quelques valeurs. Alors, prendre un bon plan de masse parce qu'a priori, donc les filles équilibrées. Ça, c'est la masse. Ça sonne. C'est bon. Alors, notre 3,3 V valeur. En 91. 5 volts. En 93. On a la même différence. Pas très élevé. Je trouve. Je pensais plus ça. 300. Alors, le PCH, il est plus à 0,2. Il a 69 ohms. Donc là, c'est à peu près. Je vais regarder au connecteur. Connecteur LVDS pour la dalle. Il n'y a rien qui va brûler. En premier temps, je vois rien de spécial. Je vais regarder le C. Il est là. Bon, je vois rien de spécial pour l'instant. Pas de valeur suspecte. Bon. On va essayer de le brancher et voir ce que ça donne. De 0,46, on est tombé à
Si je me rappelle bien, 0,40, 0,45 ou 46, on est retombé à 0,6, 0,8, 0,9. Sur celui-là, je ne sais pas si j'ai les tensions. Active. J'ai pas de tension. Bon, on va faire un test. J'ai posé la carte mère dans le boîtier pour le bouton power. Là, je le branche. On a 10 en consommation. Ce qui est normal en stand-by. Je vais appuyer sur le bouton power. Voilà. Allez, ben ça marche bien avec le bouton power. Maintenant, on va regarder nos tensions. Déjà 3, 400, c'est pas bon. Hein. Mais déjà 3 volts, 3, on l'a. 5 volts, on l'a. 1,048, c'est pas suffisant. Un volt 2, DDR4, c'est bon. Secondaire, 5 volts 100. Il n'y a pas du Thunderbolt? Non, c'est un secondaire. Donc 414. On va finir par le CPU, mais ça, vu le PCH, comment il était éclaté, bon, il s'est éteint au bout d'un moment. Je vais le remettre en route. Ah, le CPU chauffe légèrement. Donc, je connais la réponse, mais pour vous montrer. Donc là, alimentation VRAM. 1,34, 1,35, c'est 1,35, c'est bon. 830, là on est sur le GPU, il est bien alimenté. 803, 0,803, il est alimenté. 0,804, il est alimenté. Et la dernière, 0,804, il est alimenté. Et il chauffe légèrement. Donc le problème, maintenant on va prendre les tensions du CPU et là, c'est là que ça va coincer. 0,96. Alors ça doit être encore le 0,960. Ça doit être encore le chipset graphique. Un 46, il s'est éteint. Un 46, ça c'est le 1 volt 0,50 pour le CPU. Hop, il se remet à 400, mais 400, ça c'est un problème de CPU. Malheureusement, voilà. Ça démontre bien, comme je vous expliquais, un PCH éclaté, 99%, 1,46, un 1,54, ouais, c'est la tension PCH, PCH, il y a PCH, mais là, CPU 1,050. Et par contre, les alimentations cœur, 0,337. Y a que dalle. Ça doit être le GT2.
Sûrement. Le GPU il chauffe. Le CPU très légèrement, mais je pense qu'il chauffe, mais pas pour une bonne raison. La raison pour qu'il chauffe, c'est que tout simplement à l'intérieur, il est en défaut. Je dirais pas qu'il y a un court-circuit violent parce que ça démarrait pas du tout, mais en interne, il est mort. Il y a une partie du CPU graphique ou mais il chauffe, c'est parce qu'il est en court-circuit. Bon. Donc on a toutes nos tensions qui sont présentes depuis que le PCH a été remplacé. Sauf que on est sur le CPU qui est détruit à cause du PCH qui a éclaté. Voilà. Par contre, le GPU, pour moi, les valeurs, elles étaient bonnes. Donc, je vais appeler le client et on reprendra la vidéo pour savoir ce qu'on fait. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai vu le client, je lui ai expliqué le problème. Malheureusement, le PCH, il est défectueux. Le PCH qui a éclaté a détruit aussi le CPU. Je lui ai annoncé le tarif de réparation avec le CPU en plus. Il n'était pas tellement chaud, hein, ce que je peux comprendre. Hein. Ça fait monter. Donc on a convenu d'un tarif pour le remplacement du PCH, main-d'œuvre, plus le CPU. En sachant que cette version, c'est la version haut de gamme. Donc le client a fini par accepter. Moi, personnellement, j'étais prêt à reprendre la carte mère pour la réparer parce que c'est une très bonne carte mère avec un très bon système de refroidissement. Et en plus, c'est la version haut de gamme avec le 1060 Ti. C'est pas la dernière génération, mais ça reste une très bonne configuration pour beaucoup de gens. Donc, on va remplacer le CPU. Cette carte mère va subir la totale. PCH qui a éclaté et qui a tué le CPU. Donc, on va remplacer le CPU et voir ce que ça donne. Et à la fin, en sachant que cette carte mère d'occasion sur AliExpress et compagnie, ça coûte plus de 550 euros, plus de 500 euros. Je dirais aux alentours de 550 euros dans les premiers prix, hein. Achat, expédition. Taxes, douanes et compagnie. Donc c'est une carte mère d'occasion en Chine. Donc on va réparer celle-là. On va voir si ça fonctionne. Et moi je vous dirai combien que ça a coûté pour la réparer celle-là. Donc on s'occupe de changer le CPU. C'est parti.
ce PU retiré. On va préparer le PCB pour recevoir le nouveau CPU. Allez, c'est parti. Bon voilà, le PCB a été préparé pour recevoir le nouveau CPU. On va ressouder le nouveau CPU. Et on verra après ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon voilà, le CPU a été remplacé. J'ai dû le laisser un peu de côté, j'avais d'autres choses prioritaires à faire avant. Donc là, le CPU a été remplacé. Ça, c'est le nouveau CPU sur le microscope. L'ancien. Hop, voilà. CPU, PCH. PCH éclaté, fissuré en plusieurs morceaux. Donc ça, ça a été remplacé. Alors, dans un premier temps, maintenant, on va voir si on a une séquence de démarrage. Je branche. Parfait. Si on a une séquence de démarrage, de toute façon, elle sera très brève, puisque tout le système de refroidissement n'est pas remonté. Mais voir si on a bien une séquence de démarrage avant de commencer à refermer, on va dire. Donc ça, c'est bon. 10, j'ai dit. 10, 13, ça varie, c'est un peu normal. Ça, c'est bon. Le bouton, il est là. Allez, c'est parti, on essaye.
1 ampère 5, CPU brûlant, on arrête. On n'est plus bloqué à 400. Donc, notre CPU, il est brûlant. C'est qu'il est alimenté correctement. Maintenant, on va remonter le système de refroidissement pour voir ensuite si notre communication est bonne. Si c'est le cas, il nous restera à reprogrammer proprement les filles. Sur cela, on peut récupérer la clé de Windows aussi. La clé Windows, la licence Windows, elle est dans le BIOS. On arrive à la récupérer facilement. S'il y a besoin. Le support de pile, si tout va bien, je vais essayer d'en trouver un pour le remplacer, parce que la pile, elle tient plus correctement. Un support de pile CR2032. Ça tenait avec du scotch. Donc on va essayer de remettre tout ça proprement. Trouver sur une vieille carte mère donneuse un support à peu près identique dans les dimensions et avec les bords droits pour pas que ça dépasse de la carte mère. Enfin, ça, je me débrouillerai après. S'il reste que ça à faire, c'est pas le plus grave. C'est pas le plus technique à faire. Donc je remonte au refroidisseur, j'ai dit, et on fait un test de communication juste après. Allez, c'est parti. Bon voilà, système de refroidissement remonté. Bon, je le branche. Je le mets en route. On va voir si on a de la communication. Par contre, ça sera sûrement long à apparaître. Puisque l'EFI n'a pas été reprogrammé et je ferai un EFI complet de A à Z reconstruit avec la dernière mise à jour qui est en 322 et avec la dernière mise à jour de Clermy. Je veux ça. Donc je vais le mettre en route. Voilà, c'est parti. Dans le câble. C'est éteint, elle a redémarré parce qu'il n'y a pas de batterie. Voilà. On a bien de la communication, c'est parfait. Donc voilà, je refais une reprogrammation de tout ça. Je regarde pour le support de pile parce que ça va finir par provoquer des erreurs aussi ça. Si la pile ne tient pas correctement, puis bon, du scotch, vu que ça fait pas tellement repartir avec du scotch quand c'est passé chez un professionnel pour réparer la carte mère, ça fait pas tellement sérieux de mon point de vue. Bon ok, je m'occupe de reprogrammer ça, refaire une nouvelle reprogrammation complète, remettre support de pile, je vais voir ça, et je vous ferai voir ça à la fin, son fonctionnement.
Allez, c'est parti. Bon, voilà, le PC est totalement remonté pour programmation complète avec la dernière mise à jour. Mise à jour aussi du mi-région, remplacement du support de pile. Et donc, je vais vous le mettre en route. Il n'y a aucun. Il n'y a pas de SSD ni de disque dur dans le PC. Donc on va le démarrer ensuite. Voilà. Démarre parfaitement, rapidement. Et on va le démarrer sur un disque dur externe. On y est. Est-ce qu'on a de l'affichage? Oui, c'est bon. Donc, information de notre PC. Modèle FX 503 VM. i7 7700HQ. Cadencé à 2,80 GHz. Le PC est équipé de 32 gigas de mémoire vive en DDR4. Voilà. Nvidia GeForce GTX 1060, elle est bien là, elle est bien reconnue et elle fonctionne parfaitement. Bon, tous les drivers ne sont pas installés, hein. Je perdrais trop de temps à installer tous les drivers. Il y a les drivers PCI et Intel, noyau Intel, qui sont pas installés. Donc, ça n'a pas la fluidité que ça devrait avoir si tous les drivers étaient installés correctement. Mais là, on perd trop de temps. Donc, le principal. Voilà, normalement, ça doit être un peu plus fluide. Il va revenir, mais le PCI Express, il n'est pas installé correctement. On le voit dans le gestionnaire de périphérique. Tout ce qui n'est pas installé, et il y en a. Donc voilà, GTX 1060. En 6 gigas de VRAM. Pas d'artefact. Rien du tout. Voilà, tout fonctionne. Pour celui-là, c'est terminé. Carte mère refaite pour moins cher qu'une carte d'occasion achetée en Chine. Il y en a pour le premier prix, c'est 550 euros. Et on est bien en dessous, on est en dessous de 400 euros. Un peu en dessous de 400 euros. Et quand je dis un peu,
On est à 389 euros pour être précis. Et le PC, il est garanti, la réparation qui a été faite, elle est garantie. Contrairement aux cartes mères que vous achetez sur AliExpress, que si elle arrive, que vous avez un problème, eh ben bon courage pour la garantie. Déjà, elles sont vendues, parce que si elles sont vendues avec une garantie 30 jours, vous aurez de la chance. Et après, prouvez que c'est pas vous qui avez fait une erreur, ça va être une autre histoire. Réparation plus complexe. En espérant que ces vidéos vous aient plu, vous avez appris des choses. Bonne journée et à la prochaine!